Cette vidéo vous est présentée par mon partenaire de clé CD, Eneba. 3% de réduction avec le code YOMAX. Et en ce moment, la carte PSN 50€ est à 42€. Profitez-en. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la nouvelle vidéo de jeudi. C'est les récompenses FUT Champions et Division Rivals. Aujourd'hui, je suis tellement excité, les mecs, puisque j'ai fait une perf incroyable. On a terminé Elite 1 sur notre propre compte ce week-end. Et on va ouvrir nos récompenses FUT Champions et Division Rivals. Avant toute chose, bien évidemment, vous le savez, le jeudi, ça se passe sur twitch.tv YOMAX. Regardez par exemple la Lucas Nebular 15, il vient de sub à l'instant. Merci à lui. Merci frérot pour ton sub. Les mecs, ça se passe sur Twitch, on ouvre les récompenses des gens. Il y a eu des packs top 100, top 200 aujourd'hui. Je vous montre un petit best-of condensé rapide des packs des personnes à qui on a ouvert aujourd'hui. Et je spoil, on n'a pas encore vu Messi. Peut-être ce sera sur mon compte. Ouais, puis alors ça dit quoi aujourd'hui les récompenses? Toto, tu viens d'arriver. Toto, c'est Messi. Toto, c'est Messi. Toto, c'est Messi. Toto, c'est Messi. Toto, c'est mieux que Messi. Toto, c'est Mbappé. Toto, c'est N'Golo Kanté. Voilà, bah enfin. Enfin, on le met bien. Enfin, il a un peu de crédit pour son club. Voilà. Faucheur, un peu de crédit pour ton club. Fait plaisir, ça. Eto, pack rivals inventable. Je comprends pourquoi il allait pris les packs rivals inventables, les gars. Regardez. Regardez pourquoi. Une nouvelle icône sur ton compte en rivals. Une nouvelle icône sur ton compte en rivals. Boost, boost anime. Boost anime. Le gardien. On l'a eu dans le pack d'avant. Rafiti Fut, merci pour ton deuxième mois d'abonnement avec Twitch Prime. Merci. Oh Adrien, je voulais te demander, ton pseudo c'est quoi? C'est comme sur ton Twitter, Adrien MRX ou c'est Adrien NTPM? Fabianski les mecs, des fois il y a du Ronaldo derrière. Merci Rafiki Fut pour le deuxième mois de sub mon frère, merci beaucoup. Derrière, Benzema, Rodri, Lukaku, ça c'est un joli pack ça, avec Pop, Lucas Moura, mais ça c'est un joli pack. C'est invendable par contre, hein, on est d'accord. Ça qui est dommage, mais c'est un joli pack en soi. En vrai de vrai, c'est un très très joli pack je trouve. Adrien NTPM. Oh, regarde, il y a Hugo Lloris en doublon. C'est un vrai pack ça. Allez les gars. Lozano. Lozano qui tombe. Très bon super sub. Je pense que voilà. Très bon super sub les mecs. Donc ça fait plaisir de tomber sur Irving Lozano. Là en rouge. Honnêtement en rouge je trouve que c'est un bon joueur à paquet. À mettre en super sub dans son équipe. C'est vraiment pas mal du tout. Ok les gars, ok ok. Ok ok ok. Ok 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 ok. C'est le dernier rouge de la semaine pour Adrien. C'est Bruno Fernandez. Eh ben écoute-moi, ces récompenses étaient vraiment pas mal sur ton compte. En toute honnêteté, il coûte 600K je crois Bruno Fernandez. Eh ben écoutez, avoir Messi, c'est très compliqué. Avoir Bruno et Lozano, c'est facile pour le gros yo. 3 packs à 100 000 et un pack Team of the Week ultime. C'est parti. N'hésitez pas à follow Adrien. Animation. Boost, oh mais j'ai que des boosts anime sur ton compte. Encore par contre Fabianski. Est-ce qu'on va faire le même pack que tout à l'heure avec deux animes derrière, c'est-à-dire Benzema et Lloris? Bruno, oui je voulais le mettre ce week-end. Bah franchement Adrien, magnifique, là je t'ai mis bien honnêtement. Je t'ai mis bien. Fabianski, encore un boost anime dans tes récompenses gros. Par contre là c'est vendable, c'est ça qui est cool. Donc il va s'afficher à la fin. Qui on a ce qu'on a au début du pack? Marcos Llorente Neuer. Mais frérot, j'ai quoi? J'ai quoi sur ton compte frérot? Qu'est-ce que j'ai sur ton compte? Comment ça se fait que j'ai autant de chance? Dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai sur ton compte? Qu'est-ce que j'ai sur ton compte, gros? Pour une fois, de bonnes récompenses. Ah, tu sais à qui les envoyer. Tu sais à qui les envoyer. Hein, je dis ça, je dis rien, mais. Ouais, aujourd'hui, Faucheur, il a jamais rien. Il a eu Kanté. Toi, t'as tous les joueurs de l'équipe de la semaine. Il t'en manque plus qu'un, frérot. C'est parti, les gars, l'ouverture du pack ultime de Wizix. Bien sûr, l'animation est présente. Bien évidemment, l'animation est présente. Et le drapeau, c'est lequel? Je viens d'enchaîner deux Thiago Silva. Ben, j'ai ouvert le pack de Faucheur hier, top 100 également, les mecs. Et c'était exactement pareil. Et tout à l'heure, il y avait le pack top 100 de. C'était qui sur Play top 100? C'était Adrien. Et je crois que tous les trois, les mecs, en meilleur joueur, vous avez eu Thiago Silva. Hein. Allez, on passe. C'est le même pack que Faucheur, il a fait un screen de son pack d'hier. Parce que je serais même pas étonné que ce soit exactement le même frère. Il n'y a pas un joueur qui se vend là les gars. Il n'y en a pas un qui se vend. On est de retour et on est parti directement sur mon compte. Actuellement dans les packs, vous l'avez vu hein, dans le best of. Il y a à droite de l'écran, vous voyez, je tourne là avec. Il y a les joueurs en route vers la finale Europa League. Aubameyang, Renato Sanchez,
NDD et le reste, j'ai oublié, mais il y a des bons joueurs, les mecs. Attendez, je peux voir. Il y a ça, les mecs. Aubameyang, NDD, Diaby, Renato Sanchez, Bruno Perez. Autant vous dire que Renato Sanchez et Aubameyang, c'est game over, les mecs. Ils coûtent trop cher, c'est très très bien. Ensuite, il y a également l'équipe RTTF numéro 1. Demain, il y aura l'équipe RTTF numéro 2. J'en ai pas qui est un, les mecs. J'ai eu Zakaria. Je vais pas vous récupérer le pack pour la vidéo, mais j'ai eu Zakaria. C'est pas mal, 200k, les mecs. Il y a Griezmann, Rashford, Salah, Davis. J'espère en enverrer un parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas vu un seul sur mon compte. Ce serait cool. Et finalement, les mecs, l'équipe de la semaine, je vous la montre tout de suite. Ça, c'est cool qu'ils mettent publication d'éléments là-dedans. La Team of the Week, une grosse Team of the Week cette semaine. Il y a plusieurs joueurs intéressants, bien évidemment. Lionel Messi, les mecs, Bruno Fernandez, Thiago Silva, ensuite Castille, je l'ai tellement vu aujourd'hui, j'en ai marre. Lozano, bien évidemment, et Marcos Llorente. Il y a même un petit Konaté sympathique en défenseur central, les mecs. Voilà pour les joueurs boost à paquet. Donc c'est parti, les mecs, récupérons tout de suite les récompenses FUT Champions. Comme ça, on ouvre les rouges en premier. C'est magnifique de voir ça sur mon compte. C'est magnifique de voir ça sur mon compte en me disant que c'est moi qui a fait le FUT Champions, c'est pas quelqu'un qui a joué sur mon compte. C'est magnifique. Allez les mecs, qu'est-ce qu'on a cette semaine en Elite 1? 2 packs à 100 000, 3 choix rouges, 125 000 crédits, ils font plaisir. 2 packs Team of the Week Premium. Allez les mecs, les 3 choix rouges, c'est maintenant. Et si Messi c'était pour mon compte? Et si Messi était pour mon compte? C'est la question que je me pose. On va tout de suite vérifier avec le premier choix. Joueur, Watkins. Pas ouf les mecs, Watkins. On va choisir Watkins. Je sais pas si vous avez remarqué, le jeu est beaucoup plus fluide pour la vidéo YouTube, je vous le dis. Hein. Les mecs sur Twitch le savent, on est actuellement sur la Xbox Series X. Le jeu est plus fluide, c'est exactement le même jeu graphiquement, tout ça. C'est la même chose, mais c'est quand même beaucoup plus fluide. Je sais pas si vous pouvez remarquer juste avec des petits mouvements comme ça. Mais dans le jeu, ça se ressent, sur les lives, ça se ressent, c'est beaucoup plus fluide. En attendant la version next-gen qui sort dans pile un peu moins d'un mois, le 4 décembre, je crois, un truc comme ça. Deuxième choix joueur rouge de la semaine pour mon compte. Allez, on va quand même prendre Castiles. Allez, tu sais quoi, Castiles, on te prend, frérot. Tu veux tellement venir dans mon club, je le sais, je le sens que t'as envie de venir dans le club. Viens, le sang, viens, viens, viens. Là, il y a dernier, troisième et dernier choix rouge de la semaine pour le Yo. Ce sera Watkins encore. Voilà, je savais que j'allais pas avoir Messi, les mecs. Watkins, on l'a pris, du coup, je suis obligé de prendre un... Bah, Al-Soma, la meilleure note ici. Lourdes. On a fait Elite 1 pour Watkins, Castiles et Al-Soma. Trois joueurs qu'on va pas utiliser. Let's go. Allez les mecs, pack ultime du coup, c'est les récompenses division rivales, donc c'est le pack ultime en premier. Allez, de l'anime pour mon compte. Un petit RTTF Europa League, Aubameyang. Pourquoi pas maintenant? Ou RTTF Champions League, c'est ça ou pas? Je crois pas, ça c'est Sancho ça. Ouais, ça c'est Sancho les mecs. 87 je crois Sancho les mecs. Une petite anime dans le pack ultime vendable. Sancho, je pense pas qu'il coûte super cher. Par contre, le fait que ce soit un bleu qui a 87, je peux quand même avoir une anime qui a 89 derrière par exemple. Voilà, bon, faut croire au Père Noël hein, pour que ça arrive, les mecs. De Ria, quand même. Et Donnarumma. Zapata en doublon. Écoutez, ça coûte combien tout ça là? Bah, c'est un bon petit premier pack pour mes récompenses division rivales, ce ultime, ça. 20 000. 15 000. Moi, je prends tout ça. Hein. La vérité, je prends, les gars. Voilà, Joe Félix est là. Pack à 100k, les gars. C'est parti. Allez, anime-toi, mon petit. Ah là 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 là, c'était sûr. Ah, boost. Qu'est-ce que ça va être, France? DC Konaté? Oh, DD Valenciennes. Konaté, ça aurait été bien. Il y avait une potentielle revente. Mais là, Kufo, frère, il y a aucune potentielle revente possible. Ça, c'est du vent rapide, ça. Oh, Gabriel Rezou, c'est Nichizawa avec. Gabriel Rezou, c'est à combien? C'est 10 000 maintenant? 15 000 à peu près? Bah, cool. Deux boosts. Faites l'attente. Attends. Je l'ai mis au mauvais endroit, là. Et ils vont ici, les boosts. Ensuite, en doublon, on n'a pas grand-chose. Allez, les mecs. Tu sais quoi, vente rapide sur le pack, 30 000 crédits. Ah oui, avec les boosts, magnifique. Dernier pack, qui n'est pas un pack élite, bien évidemment, de mes récompenses FUT Champions, c'est le pack à 100k. C'est parti, mon kiki. L'animation n'est pas présente, je suis triste. Encore un boost. C'est Mkhitaryan 83, les amis, ABG. On l'a packé aujourd'hui, donc on est au courant. Puis voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le drapeau de l'Arménie. Mkhitaryan, qui est-ce que cache Mkhitaryan? Petit Rashford. Oh, Mahrez 85, Godin 85. Ah, moi, tu sais que je prends hein, tout ça. Hein. Ça me fait des petits crédits en plus pour le club. On met ça en haut. Mkhitaryan. Y a moins que c'est pas le prix minimum, donc on va le mettre là-haut aussi. Boateng en doublon. On s'est buté. Hein.
On a tapé le Elite 1, j'espère que c'était pas pour rien. Même s'il me donne pas Messi, c'est pas grave, mais au moins qu'il me donne un joueur qui se revend un peu. Allez, un peu. Un peu. Un peu, CSVP. Les gars, on est parti pour l'ouverture de mon pack Team of the Week Premium. Bang. Sur YouTube, vous avez pas la musique que j'ai dans les oreilles. Animation. Donnez-moi Messi. Donnez-le-moi. Brésil, Thiago Silva. Thiago Silva. Allez, Thiago Silva, il peut cacher Llorente, il peut cacher Konaté, il peut cacher Lozano. Allez, on passe. Thiago Silva. Llorente. Fabianski, hein, 84 les mecs quand même derrière. Ok les mecs, Thiago Silva c'est combien? C'est à peu près un peu moins de 30 000 crédits. Fabianski c'est combien pareil? Pas du tout. C'est 15 000 crédits et Traoré, je pense que c'est vente rapide. Vente rapide les mecs. Ok. On a fait Elite 1, j'espère que c'était pour un gros pack pour terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker un maximum. C'est parti pour l'ouverture de mon pack Team of the Week Premium numéro 2. Ah les enfoirés, ils m'ont rien donné cette semaine. C'est pas grave, on va continuer de se buter pour avoir des récompenses de merde. Vous le savez, Carlos Soler dans ce pack en tout cas. Bon bah c'est dommage hein, avec toutes les récompenses qu'on a ouvert les mecs. Et bah de pas packer un seul Bruno Fernandes vendable. Mais le pire, je trouve honnêtement, le pire c'est de pas avoir packé un RTTF Europa League ou Ligue des Champions. Mais vraiment, ça je trouve que c'est quand même hardcore. Ben ça c'est un joli pack sur lequel je vais faire vente rapide hein. Mais bien évidemment 30 000 crédits pour le gros yo les mecs. 29, même pas 30 000, 29 768. Voilà, c'est ça mes récompenses FUT Champions les mecs hein. C'était pas ouf. Meilleur FUT Champions pour des récompenses pas ouf. Mais c'est pas grave les mecs. C'est pas grave, allez, c'est pas la fin du monde. C'est qu'un jeu vidéo, on réessayera ce week-end. Et on verra la semaine prochaine si on pack du lourd hein, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. N'hésitez pas à la liker un maximum comme d'hab. On se retrouve demain 21h à 22h30 sur Twitch TV Yomax pour Tombola FUT. C'est-à-dire, vous devinez le pack que j'ouvre. Vous avez enfin, le joueur que je pack, le meilleur joueur que je pack dans mon pack. Vous gagnez un cadeau. Le premier qui devine le joueur que j'ai dans mon pack, il gagne un cadeau. Bien évidemment, avant que j'ouvre le pack, il faut deviner. Bien sûr, c'est une tombola. Les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao, ciao. Onto something, I don't wanna top her. I can see it coming, cooking like an oven. I'ma get it.